Salut les loulous, c'est Soma. Aujourd'hui, on se retrouve pour le septième épisode sur Planet Crafter. Donc les loulous, comme je vous avais dit hors caméra, j'ai re-rempli mes armoires. Donc on est à nouveau plein partout, sauf en aluminium, parce que l'aluminium c'est quand même un peu plus compliqué à trouver. J'ai aussi coupé le courant, comme ça évite que la terraformation avance trop rapidement hors caméra, justement. Donc on va aller le remettre. J'ai dû virer, je crois, j'allais dire encore éoliennes. Je sais pas pourquoi j'appelle mes panneaux solaires des éoliennes, mais bon, c'est pas grave. Donc je crois que oui, j'ai viré deux panneaux solaires. Donc on va remettre ça. Un faux courant rétabli, ok. Et je vais en mettre un deuxième vu qu'il y en avait deux. Je vais le mettre là, on l'avait mis là. Voilà, en attendant de pouvoir refaire des réacteurs. Donc ça, c'est la première chose. Alors, nouveau plan reçu, pot de fleurs. Ok. Donc il faut aussi savoir que pendant le hors-caméra, ce que j'ai pas pu empêcher de tourner, c'est ceci. Donc on a débloqué la première technologie ici, qui est le Biolab. Alors, laboratoire de biologie et chimie permet l'élaboration de recettes à partir d'éléments organiques. Voilà. Et donc ça continue de monter. On est à 1,02 kg. Donc je sais pas après si ça s'est débloqué ici, parce que je n'ai pas regardé. Je me suis pas spoil. Oui, effectivement, il est là. Il faudra de l'osmium que je n'ai pas. Très bien. On va pouvoir se focus sur ça. Mais je vous avais dit aussi, j'essaierai de d'augmenter mes rendements sur. Ceci, ceci, ceci en mettant tout à 6. Donc la chaleur à l'intérieur et les trucs à l'extérieur. Et pour ça en fait j'ai tout farmé. Alors si j'ai bien fait mon compte, normalement j'ai tout ce qu'il faut dans cette armoire. Donc j'ai juste à faire ça. Alors je pourrais pas tout prendre. On va commencer par peut-être ce qui est là-haut. Et donc... Ah non, ça là-haut je pourrais peut-être pas le faire parce que j'ai... Ah, j'ai peut-être pas... J'ai oublié de compter ça je pense en fait. Bon, vous voyez comme quoi. Donc on va commencer par ceci. Il m'en manquait un, je crois. Voilà. On va le mettre là. Il veut pas se mettre. D'accord. Tu veux pas te tourner comme je voudrais que tu te mettes? Voilà, parfait. On risque d'avoir un problème encore de courant, hein, bien sûr. Hein? Ce serait trop simple sinon. Et du coup, si j'ai bien fait mon compte, j'ai prévu de refaire trois trucs comme ça. Normalement. Et un petit dernier. Voilà. Il n'y a plus de courant. Donc il va falloir que je refasse un panneau solaire. Et... et que je mette surtout des graines là dans les trucs. Donc panneau solaire, c'est cobalt alu, bah c'est de tout en fait. Et le cobalt x2. Donc là j'ai tout pris. J'avais prévu quand même de faire autre chose, hein, mais je vais quand même tenter ça. Deux cobalt, magnésium, fer. Voilà. Pour l'instant, je vais les mettre comme ça un peu à l'arrache, hein, parce que, alu. Et je peux en mettre un comme ça ici. Alors, le but, c'est vraiment de booster la production, hein. Et je peux. Un silicium, voilà, ok. Pour l'instant, je peux faire qu'avec ça. Nickel. Donc ça continue de monter, on est bien. Alors on a découvert aussi le pot de fleurs, mais ça doit être de la déco. Oui, c'est ça. Et donc il faut que je prenne des graines ici. Alors il faut que je prenne les meilleures. C'est-à-dire, bah... Alors attendez, est-ce que j'ai pas des plus importantes ici? Oui, 200%. Même j'ai des 300% en fait là. Ok. Et ici, on va mettre des 200% du coup.
fait comme ça. On va... Tac. Tac. Ça, j'ai à manger sur moi. Parfait. Celle-là, c'est pour l'extérieur. On essaye de... d'augmenter le rendement le mieux possible. Voilà. On va ranger ce qu'on a de trop sur nous. Ah non, et avant de partir, parce que j'ai envie de faire un peu d'exploration, je voulais faire ceci. Donc c'est fer, silicium, magnésium, aluminium et cobalt. Un comme ça. Un comme ça. Un comme ça. Titane, j'ai pas la place de le ranger. Un fer. Je veux voir ce collecteur d'eau atmosphérique recueille automatiquement l'eau contenue dans l'humidité de l'air ambiant. Et un super alliage. Ok, nickel. Et on va se poser ça. Peut-être ici. Voilà. Et donc je pense que ça va nous craft des bouteilles d'eau. J'ai l'impression, hein. C'est l'impression que ça me donne. Alors en parlant de bouteilles d'eau, je vais boire ça. Je vais me reprendre une sur moi. Donc je me suis farmé aussi de l'eau et un peu d'oxygène. Du coup, je garde la nourriture sur moi. Je vais poser l'aluminium et le titane. Je vais le mettre là. Et donc aujourd'hui, les loulous, on va partir. Alors oui, je vais me faire de quoi me faire un POI en fait. C'est vrai. Sinon, je risque d'avoir des soucis. Donc habitacle, deux fers, un titane. Alors, 3 fers, 2 titanes, 1 silicium. Voilà, c'est ça. Ok. Je sais pas pourquoi c'est rouge, mais c'est pas, c'est devenu rouge la couleur là, c'est assez bizarre. 3, 2, 1. Est-ce qu'on est bon? Oui. Ok, je me remets mon oxygène à fond. Je vais manger un petit bout pour me remettre ça à fond aussi. Et on est parti. Je veux aller explorer, les loulous, cette grande épave qui est là-bas. Que je n'ai toujours pas faite. Et j'ai eu l'impression de trouver aussi un autre POI en allant farmer des ressources. Parce que j'ai dû retourner dans des biomes, notamment ce biome-là et le biome qui est derrière avec les piliers, pour trouver des... Oh. Je vais surtout prendre ça en fait. Vous voyez, comme quoi, alors, comme quoi il y a encore des coffres que j'ai pas. J'ai pas loot. Donc, oui, il y a cette grande épave. Je pense qu'elle va être bien galère à farmer. Ah, je crois qu'il y a encore un coffre là. Graines de courge, je m'en fichais un peu. Je vais juste prendre l'alu en fait. Hein. Alors, comment ça se présente ici? Ok, donc pas mal de débris, mais le truc principal, ça doit être ceci. D'accord, et on va rentrer par là à première vue. Donc, on pose notre petit habitacle. Voilà, on met une porte. Vous connaissez le principe. Maintenant, on régène l'oxygène et on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Escalier là. Il n'y a rien. Ok, donc l'intérêt, il est ici. Alors, on va commencer à droite. On va mettre la lumière. Il va falloir bien fouiller. Hein. On a eu un de fer. Ah, il y a à nouveau deux chemins. Ok, là on peut pas y aller. Donc là on est dans un cul-de-sac avec rien. Pour l'instant il n'y a pas grand-chose. Hein. Là, on a ceci. Ah, je peux pas les prendre. Ok.
Hop. Ah, mais je peux pas les prendre parce que j'étais sur la déconstruction. Oh oui, ça je veux. Voilà. Ok. Pas de petite caisse pour des puces. Ah, il y a une échelle ici. Ouais. C'est des graines. Je sais pas si ça va être des nouvelles graines. D'accord. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Oh! Parfait. En termes d'oxygène, ça va. Donc on a fait le bas ici, sachant qu'il y a une échelle là. Très bien, on va faire l'autre côté. On va ressortir, se remettre l'oxygène à fond. J'ai déjà plus énormément de place, mais bon. Alors, pour faire. Je voulais vérifier un truc aussi. C'était pour faire ceci. C'est juste un silicium qu'il me faudrait en plus. Je dois pouvoir trouver rapidement quelque part, non? Genre là. Ça, si j'ai besoin de me faire de l'eau. Comme vous me l'avez conseillé aussi, hein, c'est de me faire un petit truc pour craft de la flotte ici si j'ai besoin, voire même de l'oxygène. Et on est reparti. Donc on va faire ce côté maintenant. On a directement un. Alors là, c'est pas un étage, c'est un sous-sol. D'accord. Avec. Ici, petit cul-de-sac. Et ici, on a deux chemins possibles. Waouh. Va pas falloir se perdre, hein. Il y a des couchettes. Et des coffres. 300%, j'ai une 400% là, j'ai des 300%, les 200% je vais pas les prendre, celle-là non plus. Donc, je vais prendre ça, je vais prendre la bouffe, le super alliage, ça et ça. Et les graines, franchement les graines, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je pense pas. Surtout qu'il n'y a pas de nouvelles graines là en fait. Et là c'est une caisse que de fer. D'accord. Donc là j'ai fini. Cette aile ici. Alors ensuite il y a une seconde aile. Là, je dis une aile, mais bon, vous avez compris, hein. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose, hein. Ah si, deux coffres. Ah, je suis plein. Il va falloir que je revienne. Il va falloir clairement que je revienne. Oh, une pépite de bioplastique. Deux super alliages. Alors attendez, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Et je vais revenir. S'il n'y a rien. Il me reste donc ce coffre à l'étage là. Enfin, au sous-sol. Et après, il y aura l'étage de l'autre côté. Très bien. On a encore pas mal de fouilles à faire. Donc là, c'est retour à la base. Ok, donc petit aller-retour. Hein. On n'a pas le choix. Alors, on est là-haut à. On approche les 2 millions en terraformation. Ah, mais je dois être en panne de coup. Ah non, si, c'est bon, ça monte. Oh, ça monte doucement quand même. Va falloir booster la production hein, si on veut continuer d'avancer. Après, on fait au mieux aussi, hein, mais.
J'ai quand même 6 foreuses T3, 5 chauffages T3, 6 trucs là d'oxygène T3. C'est quand même pas mal. Hein. Va falloir continuer à verdir un peu notre. Alors lui, il faudrait que je le rapproche en fait. Bah, pour mettre vraiment de l'herbe partout, il va falloir beaucoup des trucs comme ça. Hein. Donc, ici, comment on va faire? On va déjà vider. Alors c'est ici. Le jetpack T2. Ah, ça c'est cool. Voilà. Le fer ici, ici, ici. Super alliage. Ça je garde. J'ai de la bouffe. Voilà. Donc j'ai des fleurs là 400% et des 300%. Alors attendez. J'ai une 600% là. 400. 300. On va mettre la 400 là. Et là, on va virer celle-là. On va mettre celle-là. Voilà. Et à l'intérieur. À mettre des 300% dans ceux-là. Ok, là j'ai une 200%. Très bien. 200, 200. J'ai que des 200 là. Donc ça en fait, celles qui donnent rien, on va les virer. J'ai quand même gardé celle-là. Alors c'est là qu'il me faudrait le truc pour déconstruire. Ce serait pratique. Qu'est-ce qu'il faut pour le faire ce machin? Ah ben il a toujours cet osmium hein, que je ne peux pas crafter. Ensuite, on peut se faire 3, 6, 9, une barre d'iridium. Voilà, pour faire un peu de place et avoir une barre d'avance. Et avec cette barre d'iridium, en fait, je vais pouvoir faire mon sixième truc comme ça. Donc, silice titane alu. Alors, titane, silice. Alu, on va monter. Et donc toi, tu vas venir te mettre ici. Bien sûr, je n'ai plus d'énergie. Mais c'est pas grave. On va faire ça là. On va refaire une barre comme ça. Donc 3, 6, 9. C'est pas parce qu'il n'y a plus d'énergie qu'on ne peut pas craft. Hein. Voilà. Pour gagner de la place. Il va falloir refaire un panneau solaire, donc deux comme ça. Je sais plus ce qu'il faut, donc je prends un de chaque. À moins que je puisse me refaire un. Ouais, je pourrais peut-être me refaire un générateur en fait. 3, oui. 2, 4, 6, 8, 9. On va se faire une barre d'uranium. Plutôt. J'ai le jetpack T2 aussi à faire. Il faut deux super alliages. Il faut deux bouteilles d'eau. Alors attendez. Et. Ah, c'est trois super alliages, pardon. Du coup, je vais péter ça. Et on va mettre ceci. Voilà. Et donc, on va pouvoir ranger le reste. Alors, il faudrait que j'aille voir si la glace des grottes ont fondu. Et donc, en attendant de pouvoir me faire le truc de déconstruction, parce que je sais pas si en déconstruisant on va gagner quelque chose. Une comme ça, voilà. On va repartir bah, à notre POI. Hein. C'est l'objectif du jour. Aller explorer cette épave. Et si j'ai le temps, j'irai vous montrer l'autre épave. Je vais juste vérifier que j'avais rien laissé d'important ici, mais je pense pas. Hein. Non.
alors qui est beaucoup plus lointaine, on dirait une espèce de d'anneau, mais une structure, hein, une structure comme un peu les vaisseaux spatiaux, mais Et en fait, si on a pas un certain angle à un certain endroit, on le voit pas forcément. Il faut lever un peu la tête et faut être pas forcément orienté dans la bonne direction. Il y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire de toute façon sur le jeu. On est loin d'avoir terminé. D'ailleurs, les développeurs ont donné leur feuille de route sur ce qu'il allait avoir par la suite dans le jeu et ce qu'il n'y aurait jamais dedans. Par exemple, il n'y aura pas d'aliens, de créatures à affronter, de boss ou ce genre de choses. Ils sont pas du tout axés sur les combats au niveau du jeu. Il n'y aura pas non plus d'exploration sur d'autres planètes ou de vaisseaux spatiaux pour partir et aller voilà explorer autre chose. C'est pas du tout dans leur projet. Le but, c'est vraiment de se concentrer sur cette planète et donc de la rendre habitable. Alors, j'ai plus en tête hein, tout ce qu'ils ont prévu d'ajouter, mais ça a l'air cool. Alors, je suis pas parti du même côté que tout à l'heure, mince. Bon, c'est pas grave, hein, on va explorer ce côté-là. Déjà, bah, il y a une puce. Ah, j'ai oublié de regarder le. Les loulous, le jetpack T2. Ah, bah, ici, ça va être vite vu, hein. Il n'y a pas grand-chose. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Quand même. Deux super alliages. Deux uraniums. Encore une puce. À bouffer. De l'alu. Et puis, encore une pépite de bioplastique. Ça, je sais pas du tout à quoi ça va servir, mais. Donc bah du coup ici on a terminé. Et il me reste juste à faire l'autre côté du coup. Ça j'avais fouillé. Attendez. J'arrive de par là. Hein. Non. J'arrive de par là alors. ici j'avais tout pris. Hein. Oui. Enfin le plus intéressant. Et donc, on part par là. On monte ici. Et je sais plus, je crois que c'était ici qu'il me restait à. Alors ça. Et là, je prends tout. Du coup, je peux même déconstruire ça. Ok, et ce côté, on l'avait fait. Bon, c'est un cul-de-sac. Très bien, donc on a fini la fouille ici. Juste recheck ici. C'est ça, j'avais tout laissé. Ok, impeccable. Eh bien, on peut rentrer à la base. On va apprendre nos microprocesseurs. Vu qu'on en a deux de plus. Et ce POI est terminé. Je pense pas qu'il y ait autre chose. Hein. On peut faire le tour pour être sûr de la bête. Alors attendez, je vais reprendre mon oxygène quand même. Mais je pense qu'il n'y aura rien d'autre hein, ici. Ok, c'est parti. Là, c'est les moteurs, de toute façon, on va pas rentrer dans les moteurs pour explorer. Hein. Alors après, il y a peut-être des. D'autres entrées, hein, notamment par le dessus. Peut-être de l'épave, je ne sais pas. Là, voilà, on va pouvoir monter. Est-ce qu'il n'y aurait pas par le dessus quelque chose d'autre? Je pense pas qu'on va pouvoir monter là-haut. Non, il n'y aura rien d'autre. Vraiment, il n'y aura rien d'autre. Ouais, en plus, c'est un peu buggé. Je suis pas censé, en fait. D'accord, je suis pas censé faire ça. Voilà. Bon, bah, go rentrer. On va ranger toutes les ressources. On va prendre nos deux puces. Voir ce que ça nous débloque. Essayer de faire le jetpack T2, du coup. C'est vrai que les micro-puces, c'est un peu la surprise. Autant on peut se spoil sur l'écran de progression des technologies avec l'oxygène, donc. La chaleur et je sais plus trop quoi. La terraformation, enfin le minage là. Waouh, le spawn. Le pop des. Ok, pourquoi pas. Mais autant les micro-puces, bah. Aucune idée. À part se dire que, tiens, on a le T2 de ça, il y aura peut-être un T3 à venir.
Le jetpack, par exemple, il y a peut-être un T3, hein, c'est tout à fait possible. À partir du moment, par exemple, voilà, jetpack T1, il peut y avoir un T1, un T2, T3, les bottes d'agilité, il peut y avoir un T3. On voit que le sac à dos et l'oxygène, ça va jusqu'à T4. Donc l'exosquelette, c'est pareil. Il peut peut-être y avoir un T3. Donc voilà quoi. Alors, on va check un peu le truc d'humidité, hein, voir si ça nous crafte bien des bouteilles d'eau aussi. C'est ici. Ah bah, ça crafte carrément des bouteilles d'eau. On va plus avoir de problème de flotte, hein. Moi je vous le dis. Du coup, je vais ranger ça. Je vais ranger. Ok. Donc là c'est bon. Ici. Ceci. Là. Les bioplastiques, je vais les mettre là pour l'instant. Faudra que je pense surtout que je les ai mis là. Du fer. Hop, hop, de l'alu. La graine, je vais quand même la ranger, mais je suis pas convaincu que je m'en serve. Ça, ça. Ok, on va prendre des petites puces. C'est pas là. Ah ben voilà, botte d'agilité T3. Et satellite GPS T2. Ah ouais. Ok. Alors, du coup, botte d'agilité T3. Il faut de la poudre que je ne sais pas faire. Donc pour l'instant, je ne peux pas les faire. Le jetpack. Jetpack, c'est pas ici qu'on le craft. C'est ici. Il me faut du soufre que je n'ai pas. De l'osmium que je n'ai pas, donc je peux pas faire non plus. Et là, il pleut bien dehors. Waouh! Ce qui tombe. Ouais. Ok, donc je vais vous montrer l'autre POI que j'ai trouvé, les loulous. Enfin, que j'ai trouvé, j'y suis pas allé, hein, mais. Mais à peu près. En espérant que je me trompe pas, que je me rappelle bien. Là où on va, du coup, ça va permettre aussi de vérifier si les entrées de grotte auraient fondu. Ce serait cool. On avait trouvé deux entrées de grotte, mais personnellement, je me rappelle que d'une. J'ai un peu oublié la seconde. Où elle était située. Et donc, logiquement. Vous voyez cet anneau-là? Bah, c'est la question que je me pose en fait. Voilà. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce que c'est un POI qui va valoir le coup d'être inspecté? Donc là normalement j'ai un petit POI pour respirer. Voilà, et ici. Alors d'ailleurs j'ai vu nouveau plan reçu panneau. D'accord. Je me demande si ça en fait. Je peux pas le dés. Ouais, c'est panneau solaire T2. Ce qui me permet d'avoir de l'alu en fait. J'en avais vu un ici. On va prendre ça. Donc j'ai quand même une 300%. Mais j'ai laissé traîner ça moi. Ok. Alors je jetterai le fer et qu'on. Ah mais ils n'y étaient pas ces coffres avant. Si? J'ai des doutes. 150%. Aubergine, je m'en fous. Silicium, moi je m'en fous. Vous savez ce qu'on va faire, c'est. Parce qu'en fait, j'ai pas besoin de ça. Hein. Voilà, ça j'en ai pas besoin non plus. 200%, 150%, non, j'en veux pas. Comme ça, ici, je fais ça. Je dèse le truc. Et je rebalance. 150, non. Voilà. Parfait. Moi, ce qui m'intéresse à la rigueur, c'est de les ressources pour avoir le silicium. L'aluminium, pardon. Alors, je pense que souvent, je me trompe dans les noms de ressources. Hein. Et en plus, j'en ai l'un dedans. J'ai un coffre de stockage ici.
On n'avait pas fini non plus celui-là, d'ailleurs, qui était bien galère pour aller le loot. Hop. Voilà, comme ça, on se pose vraiment plus la question. On va mettre ça ici. Ok, et on va jeter. Voilà. Parfait. Donc, la grotte, elle était par là-bas. De mémoire. Et ça a fondu. Génial. Ah non. Oui, non, pardon. C'est quoi ça? De l'iridium. De l'osmium, ça y est. Oh là là, génial. Génial. Ah, et du soufre. Eh ben voilà. Bon, ben là, c'est cool. Alors, c'est peut-être ici qu'il va falloir que je vienne mettre mes. Je vais prendre l'osmium, hein. Et le soufre. Mais c'est peut-être ici, j'étais donc en train de dire qu'il va falloir que je mette peut-être mes. Oh, ça a pas fondu là, par contre, encore. Commence à fondre, hein. 5 micro. Kelvin. Micron, Kelvin, micro. Micron, je sais plus. Ok. Donc il y aura une suite. Et je me disais donc, oui, ce sera peut-être ici qu'il va falloir que je vienne mettre mes extracteurs. Il y a eu un changement d'ailleurs au niveau des extracteurs sur le jeu. Ça, je m'en fiche. À l'arrière, je peux faire ça. Bon, il faudra que je revienne. Mais ok, j'ai mes premiers osmiums. Alors avec les premiers osmiums, on va pouvoir faire plein de choses. J'ai le soufre aussi. Du coup, je vais pouvoir faire le jetpack T2, je crois. Incroyable. Alors, on va pas reprendre notre oxygène là. Bah, c'est juste génial. On avance bien. Donc là, on va peut-être y voir un peu plus clair pour le POI que je vous parlais. Quand on va changer un peu de luminosité là sur. Vous voyez là-bas? Alors, on peut aller check hein, vite fait. Je pense que j'aurai l'oxygène au moins pour monter sur la butte et ensuite rentrer. Il nous reste un petit quart d'heure dans cette vidéo. Le temps passe trop vite sur ce jeu. Le jeu est juste génial. Hein. Je l'ai dit plusieurs fois déjà, mais franchement. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, ok. On est loin de t'avoir tout exploré, moi je vous le dis. Ok, donc j'ai pas de quoi faire une petite cahute sur moi. Donc faudra y revenir. Ça pourra être fait ça par exemple dans l'autre dans le prochain épisode. Clairement. Il y a de quoi faire encore hein. Entre toutes les technologies qu'on a débloquées, plus donc de base, plus celle de liée à la espèce de biosphère là qu'on a mis là, plus les micro-puces. Je pense qu'on va peut-être encore en trouver. J'espère surtout j'en ai pas loupé dans tout ce que j'ai pu explorer. Ça va être génial. Je me rappelle plus si là-bas, au niveau de la caverne d'Iridium, s'il y avait une grotte qui pouvait fondre. Ça, j'ai pas souvenir. Ah, j'ai atteint le palier de l'eau liquide. Enfin, liquid water. Alors, en général, oui, l'eau, c'est liquide. Sauf sous sa forme de glace, mais bon, on appelle ça de la glace, du coup. On n'appelle plus vraiment ça de l'eau. Alors, pour l'instant, vous voyez, j'ai pas d'eau encore hein, sur la planète. Donc. Pour l'instant, je vais mettre. Il va falloir que je refasse des armoires. Mais je vais mettre ça ici. Là, j'ai plus de place. Ça va venir là, donc. Ok. Nourriture. Là, je vais garder le soufre. Et là, j'ai une plante à 300%. Alors, les 300%, elles viennent ici maintenant. Voilà.
ça n'a pas poussé. Donc, il va falloir refaire un peu dans l'ordre. On va commencer ici. Jetpack T2, on va pouvoir le faire. Il me faut un super alliage, un alu. Un super alliage. Un alu. Il faut que j'enlève mon jetpack T1. Voilà. Et je lance le craft. Bon, c'est la même. Alors, propulsion 150, propulsion 170. Il n'y a pas une grosse différence, hein, quand même. Mais bon. C'est fait. Ensuite, ici, on avait ça, mais je ne sais pas comment faire la poudre explosive pour le moment. J'ai pas de craft lié à ça. Non. Très bien. Alors ensuite, on avait aussi débloqué une nouvelle fusée. T2, c'est celle-ci. Il me faut deux boussoles, trois super alliages et un moteur. Ouais, on va essayer de la faire. Hein. Et c'est quoi la prochaine étape maintenant? Les lacs. D'accord. Ah, c'est peut-être là qu'on va voir l'apparition des premiers. D'accord. Je sais plus ce que j'ai dit qu'il me fallait pour. Voilà, là. Deux boussoles. Je suis désolé. Deux boussoles. Alors, trois super alliages. Deux boussoles, un moteur. 1, 2, 3. Ensuite, pour faire un moteur, un autre super alliage, une barre d'iridium et deux uranium. Ok. Donc on fait ça. Et pour faire les micro-puces de boussole, silice, magnésium et alu. Alu donc pour faire deux petites puces et on va pouvoir lancer la fusée T2 pour avoir une meilleure cartographie. Parfait, comme ça c'est fait. Impeccable. Elle est partie. En attendant. Alors, on a débloqué aussi tout à l'heure ceci. Et ça, c'est pour mettre, par exemple, ça va être des, comme dans Subnautica, des petits panneaux sur les, si on se fait des ailes, pour indiquer qu'est-ce qu'il y a dans la direction. C'est plus RP. Ça, je m'en fiche un peu. Donc, ceci maintenant, je peux toujours pas le faire parce que j'ai pas la poudre explosive. Il me manque vraiment ce craft, en fait. Hein. Je pense que ça va être un craft. Hein. Je pense pas que ça va être autre chose. Et par contre, on va pouvoir se faire l'extracteur de minerai que je vais aller positionner, je pense, là où il y a l'osmium. Extracteur de minerai. Après, on a aussi... non, ça, je l'ai fait. Là-dedans, on a tout fait, de toute façon, sauf ça et ça. Si je remonte ici, on a tout fait, sauf ceci, qu'on va pouvoir faire aussi. Ça va être génial. Donc, il me faut... 4 super alliages, j'espère que j'ai les osmiums, oui. Les super alliages, ça devrait aller, mais alors par contre, les super alliages, j'en ai plus beaucoup. Très bien. Ensuite, il me faut un alu, deux alus, un titane. Et donc une barre. Alors la barre, il faut que je la craft. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Et donc les loulous, on veut faire ceci. Alors, c'est quoi comme bâtiment? Ça a l'air grand. Hein, ça a l'air très grand. Alors, est-ce que je vais pas le mettre à côté? C'est un peu la même famille. Et il va falloir que je mette une porte, j'imagine. Alors, les bâtiments flottent un peu. Hein, c'est un peu dommage, mais bon. La porte, je pense qu'on va la mettre là ou là. Donc pour faire une porte, c'est un titane. Alors, ouais, fer, titane, silicium. On avance sacrément bien, je trouve.
fer, titane, silicium. Ça, on va voir à quoi ça sert. Waouh. Je sais pas à quoi ça va servir, mais il y a un ordinateur là. Fabriquer. Ah. Ok, donc c'est là qu'on va pouvoir craft notre fameuse poudre explosive où il va nous falloir du soufre. Que je n'ai pas en grosse quantité pour l'instant. Alors, on peut craft des échantillons de bactéries. Il faut des algues que je n'ai pas actuellement. On peut craft des pépites de bioplastique. Il nous faut des champignons qu'on cultive. Ok. On peut faire de l'engrais avec des aubergines. Ah, plus des algues, d'accord. Les engrais T2. Avec de l'engrais T1, une algue, deux cartouches de méthane. Ah oui. Et une courge. Il va falloir que je fasse plus de trucs pour faire de la nourriture, je pense. Là, il me faudrait en fait que je cultive des champignons. Déjà, on a vu. Des aubergines et des courges. Voilà les trois trucs que je dois cultiver pour le moment. La poudre explosive, c'est donc un iridium et deux soufres. Et ensuite, on a des mutagènes. Agent mutagène, utilise-le dans le manipulateur d'ADN. Et il faut un échantillon de bactéries, une cartouche de méthane et un soufre. Bon. Eh bien, écoutez, les loulous, ça s'annonce pas mal du tout ça. Oui, on va faire ça. Ne t'en fais pas. Je pense à me nourrir. Du coup, ici, je cultive quoi, là? Je cultive du champignon et des haricots. Alors, il faudrait que je vire les haricots. Ça n'a pas fini de pousser. Et que je fasse de l'aubergine et de la courge. Donc il me faut que je me refasse un truc de nourriture. Bouteille d'eau à lui faire. Bouteille d'eau. Fer. Et alu. On va mettre ça. Ici. Ok. Est-ce que je peux refaire? Non. Je ne vais pas refaire un... Il va me falloir un truc comme ça. Silicium, magnésium, fer. Silicium, magnésium, fer. Décidément. Ok. Ensuite, je veux craft ceci. Est-ce que j'ai tout sur moi? Oui. Et du coup, j'étais sur quoi là? J'étais sur ça. Bon, ça je le changerai hors caméra. Et bien on va finir sur aller placer notre foreuse. Enfin, notre extracteur de minerai. Plutôt. Et on terminera là-dessus. On se quittera là-bas après la pause. J'espère du coup avoir du soufre et de l'iridium et de l'osmium. C'est les trois ressources un peu particulières qu'il y avait sur place. Alors je sais pas du tout comment ça marche, on verra bien. Et hors caméra, je referai comme j'ai fait la dernière fois, je couperai le courant et je remettrai mes armoires à fond. Alors dans mes armoires, il manque pas grand chose. Mais on le fera. D'ailleurs, je pense que je vais récupérer des ressources là, que j'ai laissées à droite à gauche. Déjà, pourquoi pas tout ça? La grotte, elle est là. Je vais prendre ce qu'il me reste à prendre. On va la mettre comme ceci. Ah mince, bah il faudra que je remette le courant. Du coup je veux ça, 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 ça. Et c'est tout. Je vais récupérer ceci. Et ceci. Et donc là bah du coup elle tourne pas, il n'y a pas d'électricité. Mais sinon ça devrait me fournir. Oh, ça m'a dit que ça farme du fer.
Ok, donc c'est pas forcément ce que j'aurais voulu avoir. Hein. Bon, on regardera ça au prochain épisode. Et Loulou, on essaiera aussi d'aller au POI là en forme de cercle dans le prochain épisode. Je vais vous laisser là-dessus. Là, on a tout récupéré donc je peux rien faire de plus. J'essaierai aussi sans sauvegarder de faire un peu d'explo pour retrouver la première grotte. Je sais plus du tout où elle est. Et en attendant, je vous laisse là-dessus. Vous me direz ce que vous en avez pensé de ce petit épisode. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.